Celle-là va te plaire, Tristan, parce que je sais que t'es un poète. Et si c'était ça le bonheur? Et si c'était ça le bonheur? Bah, je sais pas. Ça peut ressembler au bonheur quand même. C'est-à-dire une soirée où vous savez pas ce que vous venez voir. Et d'ailleurs, c'est incroyable ça. Hein? Et vous avez de la thune quand même. Parce que quand même, claquer 12 balles après la période qu'on vient de voir, il y a des gens qui bossent pendant 6 mois leurs pièces, qui font des répètes et qui se retrouvent et qui machin. Et vous, vous êtes là, ouais, allez, on a 12 balles, on y va, ils savent pas ce qu'ils vont dire, on sait pas ce qu'on va voir, et là, vous êtes comme des connards à dire, et nous on est là, bah, ça prend pas trop mal la soirée, alors on pensait vraiment que ça allait être de la merde. Il y en a qui vont rire un petit peu dans les chiens, ou sinon ils vont chier parce qu'ils sont « Putain, je ne l'ai pas depuis 10 minutes !» Et puis là, on est content, et puis là, on tire des thèmes, c'est de la merde, et si tu vas chez le coiffeur et qu'on te met les cheveux en orange, et ils sont contents, ils sont épanouis, tu vois, heureusement qu'on est un peu là pour dire « Non, c'est un thème de merde !» Ne les poussons pas là-dedans, essayons d'avoir un public qui certes ne sait pas ce qu'il va voir, mais se dit quand même on a un niveau assez élevé, donc nous on est obligé de réglementer un petit peu sinon mais ce serait mais lamentable ce que vous auriez vu ce soir. Et puis là, voilà, on rigole, et puis ils vont laisser des bonnes critiques. Tous les mois, et puis comme ça, de fil en aiguille, ça va grossir. Après, on va partir du feu de la fabrique à impro, parce qu'on est quand même dans une cave, tu vois. Et on va aller au sans nom, et puis ça va grossir, et puis on va se dire, est-ce qu'on s'approche du bonheur? Ah bah là, on va commencer à s'approcher du bonheur, et après, on sera blindé, et après, on vous croisera et vous ferez, ah, nous, on les a vus dans une petite cave. Là, ils font la cité des congrès. C'est plus ça le bonheur. On appelle Tristan Lécart.